Salut! Bienvenue à l'Anarchie culinaire. Je suis votre hôte, Bob le Chef. Aujourd'hui, on cuisine une recette qui va vous rendre accro à la cuisine végétarienne. On fait des acras d'aubergine. You know what time it is. Drop it like a top. Habituellement, dans le monde culinaire, quand on entend le terme acras, on pense tout de suite à des acras de morue, qui sont des espèces de petits beignes frits à la morue. On a ça surtout à Gaspésie, puis dans sa côte est, c'est délicieux. Mais les Antilles, il n'y en a pas de morue, fait qu'ils font la même recette, format végétarien, avec quelque chose qui ont beaucoup, des aubergines. On va tout de suite commencer par éplucher notre aubergine, la couper en petits cubes d'environ 1 cm de côté. On a déjà un chaudron ici, à feu maximum, dans lequel on va verser un petit peu d'huile, mais on va en mettre un petit peu plus qu'à l'habitude. On veut vraiment couvrir le fond parce que des aubergines, ça boit énormément, OK? Donc, on rajoute nos aubergines dans notre poêlon ici. On va assaisonner ça avec du sel et du poivre. Puis on va laisser cuire ça environ 5 à 6 minutes en remuant de temps en temps jusqu'à temps que nos aubergines, il est temps de ramollir. Juste à la couleur et à la texture, on voit que nos aubergines sont bel et bien cuites. On va les verser dans un bol, puis on va ajouter le reste de nos ingrédients pour notre mélange à acras. On va tout de suite commencer par se casser un œuf. On va ajouter une tasse de farine, une bonne cuillère à thé de poudre à pâte. Là, on va mélanger le tout à l'aide d'une cuillère. À cette étape-ci, si vous voyez que votre pâte est un petit peu trop épaisse, qu'elle ne veut pas coller réellement ensemble, on ajoute un petit peu d'eau, mais vraiment pas beaucoup, à coup de 25 ml. On va bien assaisonner avec du sel et du poivre. On a notre friteuse ici qui est déjà préchauffée à 350 degrés. Habituellement, par contre, je lèverais le panier pour déposer mes trucs, mais on va laisser le panier baisser parce qu'on ne veut pas que nos acras collent dans le fond du panier. Ou si c'est une pâte qui est très collante, donc on n'utilisera pas nos mains, ce qui va aussi nous empêcher de se brûler. On va juste y aller à cuillère, puis on va se faire des petites formes comme ceci qu'on va venir déposer délicatement dans notre huile chaude. On voit, juste par la couleur ici, hein, que nos acras sont parfaitement cuits. On les dépose sur un petit papier absorbant. Question d'éponger l'excès dans l'huile, pas que ce soit trop huileux, hein, non plus. Et on peut servir nos acras d'aujourd'hui avec une petite mayonnaise épicée, soit de mayo avec du paprika, du cayenne ou même un petit peu de curry, ce serait tout aussi excellent. Ou pour les plus puristes, une ratatouille serait excellent avec la recette d'aujourd'hui. Alors voilà nos petits beignets aux aubergines, preuve qu'on peut manger de la bonne bouffe même si on est végétarien. Bon appétit!